Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon 5. Un noble prince de la paix. Étude de la semaine, Ésaïe 9, versets 1 à 5. Ésaïe 9, versets 6 et 7. Ésaïe 9, versets 8 à 10 et le verset 34. Ésaïe 11. Ésaïe 12, versets 1 à 6. Car un enfant est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, le verset 5, dans la version Colombe. Robert Oppenheimer, qui supervisait la création de la première bombe atomique, se tenait devant un comité du Congrès américain. Les membres de ce comité lui demandèrent s'il existait une quelconque défense contre l'arme. Certainement, répondit l'éminent physicien. Et de quoi s'agit-il ? Le docteur Oppenheimer regarda le public attentif et silencieux et dit doucement « La paix ». Extrait du livre de Paul Lehmann, Encyclopedia of 7,700 Illustrations, Sign of the Time, Encyclopédie de 7700 illustrations, Signe des temps, page 989. La paix est un rêve hors de portée pour l'espèce humaine. On estime que depuis le début de l'histoire connue, le monde a été entièrement en paix seulement 8% du temps. Durant ces années, au moins 8000 traités ont été rompus. Référence tirée de Paul Lehmann à la page 987, version adaptée. Durant le demi-siècle qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale, qui était censée être la « der des der », il y eut 2 minutes de paix pour chaque année de guerre. En 1895, Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, finança la création d'un prix pour les individus qui contribueraient de façon remarquable à la paix. Paul Lehmann, page 988. Pourtant, ces dernières années, même certains lauréats du prix Nobel de la paix ont été impliqués dans de violents conflits. Cette semaine, nous en lirons davantage sur le seul qui peut apporter la véritable paix, la paix éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.